qui est actuellement de 57%. Si on pouvait descendre 50%, ça serait déjà un objectif qui serait largement atteignable, je pense. Sur le port de Marseille, vision très différente pour Marguerite. Cette interne en médecine réclame plus de moyens, et très vite. Un exemple concret, j'ai même pas assez de thermomètre pour prendre la température de mes patients tous les matins. Donc moi je voudrais vous demander qu'est-ce que vous comptez faire quand on demande criant de moyens à l'hôpital public. Le grand entretien démarre ce soir à 20h. Et cette grande interview d'Emmanuel Macron sera réalisée depuis l'un de ses bureaux de l'Élysée où nous rejoignons Amandine Atalaya. Bonjour Amandine, l'entretien a lieu dans moins de 7h. Est-ce que le président est venu en repérage? Tout à fait, le président est passé hier après-midi ici vers 16h pour avoir un premier aperçu. Vous le voyez, 8 caméras ont déjà été installées dans ce bureau. C'est le bureau dans lequel le président aime travailler. Nous sommes au premier étage de l'Élysée avec derrière une vue sur les jardins. Et on aperçoit d'ailleurs quelques éléments de décoration choisis par le président comme celui-ci. Ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient.